Bah. Zba. Wesh les gars, toujours en mode Superman, hein. Zba dans ta mère la pute. Bon, je viens de voir le clip de Damso et DJ Dream. Bon, mes frères et sœurs, vous en pensez quoi du son? Je vais vous dire moi ce que j'en pense personnellement. Franchement, je vous dis la vérité, faut jamais faire de featuring avec Damso. Jamais. Jamais faire de featuring avec lui. Il a sodomisé le son. Par contre, mes frères et sœurs, VG Dream, il m'a surpris. Dans le sens où, franchement, bah, moi je l'ai toujours connu pour crier et chanter, hein. Et là, mes frères et sœurs, il a un peu rappé, bon, avec le vocodeur et tout ça et tout, mais franchement, non, non, non. J'ai kiffé, mes frères et sœurs, j'ai kiffé, franchement. Il a fait du lourd sale, mes frères et sœurs. C'est du violent, mes frères et sœurs. Là, c'est du Guadalajara sans langue de bois. Wesh, Damso, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, pour passer le temps, j'achète des appartements. En gros, mes frères et sœurs, il vous fait clairement comprendre que pour passer le temps, mes frères et sœurs, il dépense de l'argent, il achète des appartements, il se met bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. En tout cas, ce featuring, mes frères et sœurs, moi, pour moi, il a sodomisé le beat. Après, je ne veux pas manquer de respect à l'autre, là, qu'on appelle VG Dream. Mais en tout cas, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, mes frères et sœurs. Donc voilà, dites ce que vous en pensez, mes frères et sœurs, dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. En tout cas, le grand Guadazéroi donne la force aux Belges. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit quoi à un moment? Il dit, je suis indépendant, donc il n'y a plus d'intervenant. Donc là, mes frères et sœurs, il s'attaque clairement au duc. Vous voyez ce que je veux dire? Il est catégorique. Il dit clairement que le duc, tu peux plus intervenir chez lui. Tu peux plus ouvrir ta gueule, mec. Parce qu'il est indépendant, tu vois ce que je veux dire? Et nous, on valide ça, tu vois. Tu peux plus parler. Donc là, B2O, il a sorti un freestyle là, hier, là, sur lui. Mais là, Damso, il a clairement fait comprendre que voilà. Fais ta vie, parle pas de moi, frérot. Moi, je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Après, du coup, il dit, à un moment, il dit, tu te prends pour quelqu'un parce qu'on parle de toi. C'est vrai qu'il y a des gens, quand tu dis leur nom, quand il y a des rappeurs, ils disent leur blaze ou ils mentionnent leur nom, ils croient que c'est des stars alors que c'est personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc en tout cas, bon, VG Dream, il m'a surpris, mais VG Dream, il me fait penser un peu à Gims, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il fait un peu comme Maître Gims, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et moi j'aime bien les gars qui sont originaux. C'est pas que j'aime pas VG Dream, mais je trouve que voilà, il fait trop penser à Gims. Sauf qu'il n'a pas le talent à Gims. Gims, il est plus fort que lui, c'est ce que je veux dire. En tout cas, Damso, il a violé le morceau, et pour moi, il est plus fort que VG Dream, c'est pas comparable, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on est là posé au calme dans le RER, tranquille. Bah!